Alors, où et comment trouver les meilleures idées, les idées qui collent, les idées qui déclenchent des ventes dans vos séquences email, dans vos textes de vente, dans vos vidéos de vente? Bonjour, ici Mathieu, spécialiste du copywriting. Bienvenue sur la chaîne Weekash Copy. Alors, contrairement à ce qu'on pourrait croire, le plus difficile, ce n'est pas d'écrire votre texte de vente, ce n'est pas d'écrire votre email, c'est plutôt savoir quoi dire, comment le dire, pour amener le lecteur à faire une action, que ce soit une action de clic sur le lien d'un email ou une action de valider un bon de commande. Et donc, le travail le plus important pour la construction d'un texte de vente, sa conception, comme je vous le disais, c'est pas l'écriture, c'est tout simplement dans la recherche. Comme un sportif, que ce soit un basketteur ou un footballeur, le travail le plus dur, ce n'est pas de courir sur le terrain, de courir du panier de l'un à l'autre ou du terrain de l'un à l'autre pour le football. Non, le plus dur, c'est l'entraînement, l'endurance physique, de tenir toute la durée du match, que ce soit de basket ou de foot. Et ça, ça passe par un entraînement constant, un entraînement persévérant. Eh bien, pour avoir toutes les idées qui collent, ces idées qui déclenchent les ventes dans vos séquences email, dans vos textes de vente, l'entraînement avec le pouvoir des mots, le copywriting, c'est la recherche. Rechercher des faits étonnants, des faits controversés, des faits étranges, des faits bizarres qui se relient à votre produit ou à votre service pour les partager avec vos prospects et les amener à devenir clients, justement pour avoir la solution. Comment le faire correctement pour obtenir des résultats plus rapidement? Et donc cette phase de recherche, vous n'y couperez jamais. Tous les textes qui déclenchent plus d'un million d'euros de ventes ou de dollars ont fait l'objet d'une recherche intense, d'une grande recherche avec énormément d'informations de qualité. Ce qui veut dire que plus vous pouvez appuyer vos textes de vente sur des faits, sur des preuves scientifiques, plus vous avez de la consistance dans vos textes de vente, plus vous avez de la force de persuasion, plus la vente sera facile à déclencher derrière. C'est comme de la pâte à crêpes. Si vous mettez juste de l'eau, un peu de farine, un peu des œufs, mais pas plus d'eau qu'autre chose, la pâte va pas avoir de goût, elle va pas être bonne du tout. Alors que si vous mettez des œufs, de la farine consistant suffisamment correctement, elle va avoir du goût. Et après, bien évidemment, sur la crêpe, vous rajoutez des ingrédients. Ça peut être des glaces au chocolat, banane chocolat, de la confiture, du miel. Et vous en mettez suffisamment pour que ça ait du goût. Et votre texte de vente, il faut qu'il ait du goût aussi. C'est-à-dire, si vous faites juste que vendre sans aucun fait, sans aucune information utile pour votre prospect, il va s'en aller, il ne va pas commander chez vous. Donc, l'action concrète aujourd'hui, c'est de faire des recherches sur des moteurs de recherche, sur les réseaux sociaux, rechercher des faits, des études scientifiques, des sondages, des études, des preuves scientifiques, tout ce que vous pouvez trouver d'étrange, de bizarre, de controversé, qui apporte des éléments d'information, des éléments pratiques à vos prospects, et ajoutez-les dans vos vidéos de vente. Au moins 3 éléments par vidéo de vente, c'est le minimum, 3 éléments concrets applicables pour votre prospect. Comme ça, il regardera votre vidéo de vente uniquement pour connaître ces 3 éléments applicables, il va les appliquer, il va voir que ça fonctionne, il en voudra plus et il va probablement commander votre produit. Passez bien à l'action, c'est en passant à l'action que vous aurez des résultats. Donc la recherche, c'est comme l'entraînement des footballeurs et des basketteurs. On n'y coupe pas, on est obligé d'y passer et c'est ce qui permet d'obtenir des résultats impressionnants, étonnants et rapidement. Si vous voulez aller beaucoup plus loin, c'est-à-dire une fois que vous avez fait votre recherche, il suffit d'assembler tout ça comme un puzzle et ça, vous n'êtes pas obligé de le faire. C'est-à-dire qu'il y a une intelligence artificielle copywriting qui peut le faire à votre place. Vous n'avez que la recherche à faire. Après, vous donnez le tout à l'intelligence artificielle au copywriting qui va s'en occuper à votre place. Et aujourd'hui, vous pouvez tester l'intelligence artificielle copywriting qui va vous poser quelques questions pour déterminer votre situation actuelle en fonction de votre marché, votre produit
et vous donner les premières actions, c'est-à-dire un bilan personnalisé et adapté à votre situation particulière pour générer des ventes instantanées. C'est gratuit, cliquez sur le lien dans la description sous cette vidéo ou au-dessus de cette vidéo. Faites-le maintenant, ça vous permettra dès aujourd'hui de générer des ventes instantanées. Amazon utilise l'intelligence artificielle, ça lui a permis de multiplier par 10 son chiffre d'affaires. Bing, le moteur de recherche de Microsoft, utilise la puissance de l'intelligence artificielle. Ça lui a tout simplement permis de générer 1 milliard de dollars de revenus par trimestre, un truc de malade. Et aujourd'hui, vous pouvez profiter de l'intelligence artificielle copywriting pour générer des ventes instantanées. Laissez-vous guider, répondez simplement aux quelques questions qui vous sont posées et vous accédez gratuitement, immédiatement à un bilan personnalisé, adapté à votre situation personnelle et particulière pour pouvoir générer des ventes instantanées. Cliquez sur le lien dans la description sous cette vidéo, au-dessus de cette vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Passez bien à l'action, faites des bonnes recherches et vous m'en direz des nouvelles sur vos ventes, sur votre chiffre d'affaires. Je vous retrouve dès demain sur la prochaine vidéo Weekly Cash Copy. Salut!